Shalom, shalom bien aimé dans le Seigneur. Shalom à tous. Shalom à vous tous qui êtes nos abonnés sur TikTok, qui êtes nos abonnés sur YouTube. Que le nom de l'éternel Jésus-Christ puisse être glorifié. Lui, notre Dieu, notre Roi, qui nous permet ce soir de pouvoir être avec vous et surtout, je le pense de tout cœur, de pouvoir constituer une grande bénédiction. Nous sommes très heureux du retour que nous recevons de vous. Nous sommes très heureux de toutes les bénédictions que vous nous envoyez en termes de messages, surtout, et jusque-là, ça n'a été qu'en termes de messages, <laughs> une manière de nous dire merci et de témoigner de ce qui se passe dans vos vies et de ce que ces enseignements sont en train d'apporter. De tout cœur, je reste reconnaissant, de tout cœur, je bénis l'Éternel pour cela, parce que c'est une grâce, enfin, que de pouvoir le servir avec vous et le servir pour vous. J'aime le dire on ne peut pas être serviteur de Dieu lorsque on n'apprend pas à servir les personnes que l'Éternel place au devant de nous. Alors, je bénis le Seigneur de vous avoir ce soir, je bénis le Seigneur de vous avoir avec nous. Paix et grâce à vous tous. Paix et grâce à vous tous au nom de Jésus. Paix et grâce. Alors, Commencez à partager, s'il vous plaît. Pendant ce temps, nous sommes en train de chercher un peu plus de lumière, <laughs> surtout que ce côté-ci est un peu dans le noir. Donc, euh, je bénis le Seigneur. Je suis en train de vous demander donc de partager, que vous nous suiviez sur YouTube, que vous nous suiviez sur Facebook, s'il vous plaît. Euh, sur euh, TikTok, pardon. Partagez, partagez, partagez. Soyez vraiment nombreux à partager et surtout de grâce, ne manquez pas de vous abonner. Ne manquez pas de vous abonner sur notre page TikTok ainsi que sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement afin de ne rien pouvoir manquer. N'oubliez pas que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et durant toute cette semaine comme travail, c'est pour votre bénédiction. Et très certainement que chaque mois, nous prendrons une à deux semaines pour être là avec vous afin de constituer une bénédiction. Je crois pleinement à ce que l'Éternel est en train de faire. Je crois pleinement à la grâce de Dieu qui est là pour vous accorder, accorder une grande bénédiction. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, merci à vous tous qui êtes en train de partager. Merci à vous tous qui êtes en train de partager. Partagez, partager. C'est un live qui est organisé spécialement pour vous. Partagez encore, partagez. Bienvenue, c'est notre... Quantième nuit, notre troisième ou quatrième nuit? Notre quatrième soirée. Waouh, ça va vite. Je pensais que c'était la troisième soirée. C'est notre quatrième soirée durant laquelle nous sommes avec vous autour de ce thème qui est très bénissant pour nous. Ce thème qui est simplement les voies imprévisibles des attaques spirituelles. Et comme je l'avais dit depuis le premier jour, lorsque nous parlons des voies imprévisibles, nous sommes simplement en train de parler des voix inimaginables, des voix qui sont... Ou qui paraissent tout à fait humaines, mais lesquelles peuvent être exploitées par le diable afin de pouvoir vous nuire, nous nuire. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, il est une chose des fois entre enfants de Dieu, il nous arrive de dire voilà, si c'est le diable, je verrai peut-être un monstre la nuit, je vais commencer à rêver des zombies, je vais commencer à rêver des cannibales. Non, c'est pas toujours ça. D'ailleurs, les attaques les plus foudroyantes du diable sont celles qui commencent d'abord par modifier notre caractère, par modifier notre comportement, par nous amener à pouvoir avoir un comportement bizarre, à pouvoir démontrer un caractère bizarre. C'est là que le diable va appuyer. C'est sur ça que le diable va appuyer afin de nous causer beaucoup de problèmes. Merci beaucoup de continuer à partager. Merci beaucoup de continuer à partager. Amen, amen. Alors pendant que vous partagez avant la prière, je rappelle déjà ce que nous avons vu jusque-là. Et après cela, nous allons prier pour prendre l'enseignement de cette soirée. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de notre Seigneur Dieu puisse marcher avec vous. Alors... En parlant sur les voies imprévisibles des attaques spirituelles, nous avons parlé de deux grandes voies, deux très grandes voies. Mais en fait, il y en a une troisième, mais la troisième, nous la verrons. Un peu plus tard, lors d'une autre session, retenez d'abord les deux grandes voies que nous sommes en train de voir dans cette session. La première grande voie, ça a été le vieil homme. Le vieil homme que nous avions défini comme étant cette nature que nous avions avant de connaître Christ. Cette nature qui ne meurt pas parce que nous sommes convertis, mais que nous sommes obligés de, dont nous sommes obligés de restreindre la manifestation, de restreindre le travail, de restreindre la vie. Tout simplement par la sanctification, la méditation de la parole de Dieu, la vie de prière, ainsi de suite. Alors, la deuxième voie, et qui n'est pas de moindre d'ailleurs, c'est le cœur. Avec le cœur, nous avions parlé le premier jour du sentiment. De, hier, nous avions parlé du sentiment de rejet. Et le premier jour, nous avions parlé sur le sentiment de trahison ou encore la trahison. Nous avions dit tellement de choses, n'hésitez pas à revenir dessus. Parce que hier, quand on a fini, je me suis rendu compte que même sur TikTok, il y avait moyen pour moi de, 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 de télécharger l'enseignement et de le laisser afin que vous puissiez entrer en contact avec cela. Parce que moi, je crois de tout cœur que ce genre d'enseignement, ça vaut son pesant d'or dans la vie de l'homme. Alors que vous soyez un leader spirituel, un leader politique, un leader sur le plan de la société civile, un leader économique ou dans le monde de la finance, bien aimé, ces enseignements vous concernent. Ces enseignements vous concernent. Lorsque vous vous sentez trahi, comment vous réagissez On a vu des chefs d'entreprise mettre la clé à la porte. Non pas parce que l'entreprise a fait faillite, mais plutôt parce qu'ils ont perdu le courage de continuer avec leur entreprise parce que simplement ils auraient été trahis par les personnes ou par la personne en laquelle ils ont investi en dehors de la société pour la société. Et enfin, avec le sentiment de rejet, qui est un sentiment... Extraordinairement mauvais parce que ça vous détruit, ça vous ramollit, ça vous avilit, ça vous amochit. Le sentiment de rejet qui était quelque chose euh, qui, 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 est, qui est susceptible de conduire l'homme à la mort, de conduire l'homme à sa perte. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prendre l'enseignement de ce soir. De quoi s'agira-t-il Avant de le découvrir, je vous invite avec moi à la prière parce que nous ne partageons pas des pensées philosophiques, mais nous partageons la parole de notre Dieu. Il va sans dire que pour bien partager la parole du Seigneur, nous devons entendre le Seigneur et nous laisser guider, diriger par lui qui est notre Dieu, notre rémunérateur. Prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout puissant. Toi notre Dieu, Seigneur, toi qui nous as donné encore une fois la force d'être ici. Tu as donné aux jeunes gens la force de partir de leur maison, tu as donné à ces pères de famille la force de partir de leur maison afin d'organiser cette soirée d'enseignement pour la bénédiction de ton peuple. Éternel notre Dieu, nous tous espérons en toi et sur toi afin de constituer des canaux de bénédiction. Je suis la bouche qui va parler, je suis l'esprit qui reçoit, mais je prie que tu bénisses aussi ceux qui m'accompagnent dans ce travail, car ensemble nous sommes en train de travailler pour l'intérêt et de connaissance. Seigneur, donne-nous un esprit épanoui dans la compréhension des saintes écritures afin que ta parole puisse être pour nous un vecteur de changement, de transformation et de métamorphose. C'est avec le Saint-Esprit, Papa, au nom de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, ce soir, j'aimerais, à partir de votre cœur, vous parler d'un troisième problème. Donc, le premier problème, c'était la trahison. Le second problème, qui peut constituer une grande porte d'entrée, c'était le, le sentiment de rejet. Et enfin, ce soir, je vais parler de quelque chose qui a l'air normal, mais à la, qui a l'air normal, qui est très nocive pour la santé spirituelle, pour la santé mentale, pour la santé physique, de quelque chose de bizarre, mais de quelque chose qui nous arrive à nous tous. Eh bien, c'est quoi C'est la jalousie. La jalousie peut paraître une émotion secondaire qui peut présenter des pensées et des sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée d'un statut, d'un objet, d'un lien affectif, de quelque chose qui a une importance et une valeur sentimentale incroyable. Je sais que je suis allé vite, je reprends. <laughs> la jalousie, la jalousie, elle est une émotion secondaire qui représente des pensées des sentiments d'insécurité qui représentent des sentiments de peur, d'anxiété qui concernent une perte anticipée d'un statut. On peut être jaloux de quelqu'un parce que on se dit si je le laisse travailler avec moi, je me sens en insécurité. Je risque de perdre mon statut, je risque de perdre la valeur qu'on me donne, je risquerais de perdre la confiance qu'on me témoigne. Bien aimé la jalousie peut paraître comme un sentiment qui tente à vous protéger, qui tente à protéger votre sens d'affection personnel alors qu'en réalité c'est en train de vous détruire. Bien aimé la jalousie c'est un sentiment bizarre, ça peut mélanger à la fois la colère, la tristesse, la frustration et le dégoût. Je répète: la jalousie peut mélanger la colère, la tristesse, la frustration et le dégoût. Mais ne confondez jamais la jalousie avec l'envie. Les deux ont des similarités, mais les deux ne sont pas pareils. Plus tard, nous parlerons justement sur l'envie et la convoitise, Dieu faisant grâce, mais ne confondez pas la jalousie. Dans la jalousie, vous avez un mélange de plusieurs sentiments colère, frustration, tristesse, dégoût c'est l'ensemble de tout cela qui se met à se heurter en vous crée ce sentiment qu'on appelle la jalousie bien aimé lorsque je parle de la jalousie dans son sens négatif je ne suis pas en train de parler de je ne suis pas en train de parler de la jalousie amoureuse parce que avec la jalousie amoureuse c'est un sentiment positif parce qu'on cherche à protéger la personne qu'on aime on ne veut pas partager cette personne avec les autres. La jalousie amoureuse ne doit pas non plus être maladive. Parce que dès qu'elle devient maladive, elle devient destructrice. Je me rappelle, il y a longtemps, un ami, un de mes fils, Michael, eh ben, son ami, qu'est-ce qu'il a fait Il a rencontré, sa femme l'aurait vu en train de changer avec une jeune fille. Une histoire authentique. C'est seulement l'identité qui est flouée. Alors sa femme l'aurait rencontré, l'aurait aperçu en train d'échanger avec une femme. Et il se tapotait les mains, mais c'était vraiment une ambiance comme qui dirait « ichou, ichou ». Alors cette femme est prise de jalousie, remarquant qu'elle ne connaissait pas la femme avec qui son, son mari semblait s'amouracher. De qui son mari semblait s'amouracher Eh bien, qu'est-ce qu'elle fera Dès son retour à la maison, elle va mettre de l'huile au feu. Et elle va se mettre à chauffer l'huile. L'huile va chauffer jusqu'à la faire elle-même tousser. Et quand le mari entre en traversant la porte, chérie, le retour de la femme a été la casserole d'huile sur le visage. Le mari est tombé, brûlure, quatrième degré. Sa peau a commencé à bouillonner avant de, 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 de commencer à créer des, des trous partout. On l'a amené dans le coma, quatrième degré. On l'a amené à l'hôpital, coma, quatrième degré, il est mort. Alors, quand on pose la question à la femme, que s'est-il passé Elle dira non. Il a, il a, il a, elle remarquera la jeune fille avec qui son mari parlait débarquer dans le deuil. Alors, cette femme est prise de colère, elle va perdre le contrôle. Elle va dire, tiens, c'est toi, à cause de toi que j'ai tué mon mari. Eh bien, l'attention de tout le monde est fixée sur elle. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe tout le monde est tarabiscoté. Alors on se dit, mais ça perd l'hypopète, c'est quoi qui se passe Et à un certain moment, elle va déconner et elle va commencer à dire clairement, c'est à cause de toi, je t'ai vu. Alors c'est le grand frère ou la grande soeur du mari qui dira, mais c'est ma fille, elle, a, elle était au village, depuis que toi tu es marié à notre frère, elle n'a jamais vu son oncle. Et la fille a pleuré, et bien voilà pour l'histoire, la femme s'est retrouvée en prison condamné à vie pour homicide volontaire, à cause de quoi À cause d'une jalousie, également celle de laquelle Dieu use. Le Seigneur nous aime tellement qu'il ne peut pas nous partager avec qui que ce soit Dieu, a un côté, a, est, est, est extraordinaire, parce que la jalousie de Dieu n'est pas seulement possessive, mais la jalousie de Dieu, elle est protectrice. Donc Dieu est jaloux de nous parce qu'il protège ce que nous représentons. Il protège ce que nous sommes pour lui il protège l'identité que nous avons acquis en lui et c'est là que la bible dira que Dieu est jaloux amen c'est là que la bible dira je répète que Dieu est jaloux mais ne vous targuez pas d'une jalousie maladive comme étant la bizarrement c'est lorsque il était en train de au verset 5 la bible dit tu ne te Exode 20 verset 5 tu ne te prosterneras point devant elle, par de... moi l'Éternel, ton Dieu, et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Amen, amen. Là, vous voyez, Dieu se présente comme un Dieu jaloux. Dans Esaïe, la jalousie de l'homme, moi, par exemple, euh, acte 17, verset 5. Acte 17, verset 5. Écoutez ce que déclare la parole du Tout-Puissant. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace provoquèrent des attroupements et répandirent de l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, acte, 5, acte 17, pardon, verset 5. Ça, c'est la jalousie des hommes. La jalousie des hommes les amène à faire quoi La jalousie des hommes les amène à agir avec haine, les amène à agir avec colère, les amène à agir avec antipathie, à développer une tyrannie. Alors que la jalousie de Dieu, de laquelle nous venons de parler dans Exode 20, verset 4 et le verset 5, est tout simplement protectrice parce que Dieu ne veut pas nous perdre. Et Dieu lui-même sait que nous n'avons avons tout à gagner qu'avec qu lui. Amen, amen. Alors, bien aimé, la jalousie, elle est extraordinairement impure parce que le regard des autres peut provoquer la jalousie. Le regard des autres sur nous, ou le regard des autres sur des personnes autres que nous, peut aussi provoquer la jalousie. Tenez, avec moi, si vous lisez 1 Samuel 18, la Bible dit ceci. David, après avoir remporté la victoire sur Goliath, est devenu populaire. Et ce sont les gens de la ville qui se sont, qui, qui se sont mis à acclamer pour dire, voilà, eh ben, Saül a tué dix mille. A tué mille, David a tué ses dix mille. David n'avait rien demandé. Mais Saül a senti, dans cette vénération de la personne de David, dans cette louange qui était vouée à David, Saül a aperçu un challenge. Il a vu en David un, cha un challenger. Pas un potentiel, mais un challenger direct. Alors la jalousie l'a amené à développer une pensée négative. Il s'est dit, tiens, si à lui on attribue dix mille, à moi, on attribue mille. Donc, il n'y a plus que le trône qui nous sépare. Et c'est là que Saül va commencer à haïr David, et il cherchera à tout prix à lui donner la mort. Et il ne va s'arrêter que lorsque, pour la deuxième fois, David a eu l'occasion de le tuer, ne l'ayant pas fait. Alors Saül va s'en repentir. Voyez un peu comment la jalousie de l'homme peut naître. Comment la jalousie de l'homme peut provoquer une situation rocambolesque, une situation bizarre. Amen, amen. Alors, une jalousie pareille, elle est simplement provoquée par le regard favorable qu'on accorde aux autres par rapport à nous. Alors, cette jalousie peut amener à détruire. Amen. Premier point, comment reconnaître les symptômes de la jalousie et comment savoir que le diable peut l'utiliser pour vous détruire. Comment savoir que le diable pourrait l'utiliser contre vous Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire une phrase que j'ai d'ailleurs reprise dans ce livre. Et je l'ai même reprise dans mon livre sur. Dans ces livres où j'ai dit ceci La jalousie peut aller de l'inférieur vers le supérieur. Et ça, c'est ce que nous savons tous. Mais la jalousie peut aussi aller du supérieur vers l'inférieur. La jalousie est capable de partir du pauvre vers le riche tout comme du riche vers le pauvre. mais j'insiste. ne confondez pas jalousie et envie. amen. avec l'envie on pense que c'est que l'autre a. nous l'aurions mieux mérité que lui. mais par contre avec la jalousie on se dit il ne fallait pas que lui l'ait mais que moi je puisse l'avoir parce que quand lui il l'a je me sens dérangé. amen. alors des pensées lorsque vous avez une pensée de soucis de votre image, qui est basée sur la comparaison, qui vous pousse à exprimer une rivalité, c'est là que la jalousie commence. Vous avez des pensées de soucis de votre image. Qu'est-ce que les gens pensent de moi par rapport à Rudy Qu'est-ce que les gens pensent, penseraient de moi par rapport à Sébastien Mumba Qu'est-ce que les gens penseraient de moi par rapport à Hans La comparaison s'installe et il y a une rivalité qui commence à naître. À chaque fois que vous êtes en face de Christian, vous le prenez en haine. Sa présence vous menace. Vous vous sentez en insécurité. Là, la jalousie naît. Amen, amen. Mais vous avez aussi des, des, des symptômes, des symptômes physiques. J'étais étonné le jour où j'ai lu ça dans un livre. C'est que la jalousie peut faire qu'en présence d'une personne qui réussit, en présence d'une personne dont vous n'aimez pas le succès, que vous puissiez commencer à avoir les mains moites. C'est ça, docteur, avoir les mains qui transpirent. Amen. Chez d'autres, même, à avoir les mains qui tremblent. Parce qu'on est jaloux, on devient nerveux. Les mains commencent à trembler. La respiration peut même devenir difficile. Le cœur est en train de battre la chamade. On a l'impression que le cœur bat très vite. Parce qu'on est jaloux. On a envie de prendre de l'eau pour essayer de se calmer. Pire encore, chez d'autres personnes, vous avez même des crises, des crampes d'estomac. Oui, l'estomac commence à faire mal, comme une personne qui souffre d'ulcère. Il y a une baisse d'appétit chez certaines personnes. Parce que retenez le que quand David ont du rythme cardiaque, il y a même des insomnies, une impression de pouvoir s'évanouir au moment où l'autre est en train d'être célébré. Alors quand vous avez ce genre de symptômes physiquement, sachez que quelque part la jalousie est en train de naître lorsque surtout ces symptômes viennent en présence de quelqu'un ou lorsqu'on parle d'une certaine personne. Vous avez également des symptômes qui démontrent la jalousie telle que crier, pleurer, fuir, devenir violent. Je répète, pleurer, fuir, devenir violent, arrogant. Quand on parle de certaines personnes, vous devenez arrogant. Non, pourquoi seulement lui Pourquoi seulement lui Vous devenez violent, arrogant. Là, il y a la jalousie. Vous n'acceptez pas que l'on célèbre les autres. Vous êtes prêt à crier. N'est-ce pas aujourd'hui des fois ce que nous voyons, même dans les milieux chrétiens, des personnes qui peuvent inventer une prophétie en public des personnes qui peuvent vous indexer juste par jalousie, parce qu'elles veulent protéger leur place. Elles veulent protéger ce qu'elles pensent être une place qui leur est dévolue de plein droit. Et ces personnes-là peuvent même créer des fausses prophéties, surtout dans les milieux pancotistes. Pourquoi Parce que quelque part vous dérangez. Alors en ce moment-là, ça veut dire que la jalousie est en train de vous déranger. Amen, amen. Et même entre nous, serviteurs de Dieu, il nous est déjà arrivé de nous rendre compte quelquefois que je peux être jaloux de mon frère parce qu'il est en train de réussir. Et qu'en ce moment-là, il est en train de réussir plus que moi. Alors quand on parle de mon frère, je cherche toujours le hic. Je cherche toujours le point négatif pour démontrer que ce qu'il fait là d'ailleurs, c'est rien. Il est méchant. Il est faire un aveu. Moi qui vous parle, Francis Ngawala, il m'est déjà arrivé de dire à Dieu je me rends compte que ce frère-là m'énerve parce que je suis jaloux de lui. Dieu me voit. Et j'ai dit à Dieu Seigneur, aide-moi à être délivré de la jalousie. Ça m'est arrivé, je le confesse publiquement, sans avoir honte. Ça m'est arrivé. Vous savez, la jalousie peut t'amener à contredire quelqu'un. Parce que soit tu veux maintenir ta position en hauteur, soit parce que tu veux... Euh, euh, l'empêcher de demeurer dans les hauteurs, alors tu es décidé à le tirer très bas. Alors en ce moment-là, la jalousie pourrait naître dans les cœurs. La jalousie est un sentiment négatif. Malheur à ceux qui ont eu à la loger dans leur cœur. Malheur à nous qui avons eu, je m'inclus parce que <laughs> je ne peux pas dire que je suis exempte de jalousie dans ma vie. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me rendre compte que je suis mécontent. Parce que ce succès-là, c'est l'autre qu'il a. Et ce n'est pas moi. Je suis jaloux. Je suis jaloux. Je cherche la petite erreur. Je cherche à l'étudier minutieusement pour savoir d'où est-ce qu'il tire sa force. Et quand vous n'avez pas beaucoup de caractère, c'est là que vous pouvez commencer à accuser l'autre de ce qu'il n'est pas. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même au milieu des serviteurs de Dieu, Certaines personnes que nous taxons d'être des occultistes, c'est simplement parce qu'elles sont en train de réussir au moment où nous, on stagne, ou au moment où nous, nous sommes en train d'échouer. Alors, nous les taxons d'être des sorciers. Moi, j'ai vu, par exemple, un pasteur qui est venu me voir, Michael. Il m'a dit, nous étions à une réunion des serviteurs dans telle commune, en fait, qui est très connu, un autre ami, un frère, qui a une grande église aussi dans la ville de Kinshasa. Il dit, quand on a fait circuler vos, vos photos, et il y avait une prophétesse qui était là pour dire, ah, Ngawala, il est dans la magie. Tel pasteur, nous étions même avec lui au zénith de Paris. Tel pasteur, il a une grande église, il réussit. Lui aussi, il est dans la magie. Et la dame va dire clairement, ils sont dans la magie parce qu'ils voyagent tout le temps. Ils voyagent parce qu'ils partent renouveler leur contrat avec la franc-maçonnerie. Je me suis dit, mais Shem, c'est quoi ça Vous comprenez un peu Et on en arrive à ça, pourquoi Parce qu'il y a de là. Jalousie. Donc la jalousie, elle est tueuse. La jalousie, c'est comme un silent killer. La jalousie, c'est comme un, un assassin silencieux. La jalousie vous détruit. La jalousie vous coupe les tripes. Amène vos tripes à, à commencer à s'entrelacer. Mais vous ne vous en rendez pas toujours compte. Amen. Vous ne vous en rendez pas toujours compte. Et dans un de mes cours de psychologie, on m'a appris. Et j'étais même étonné que la jalousie est très fréquente chez les femmes, où elle se manifeste facilement. Mais chez les hommes, elle est bien cachée. Chez les femmes, la jalousie se manifeste facilement et les femmes la manifestent. Mais chez les hommes, des fois, nous cachons notre jalousie derrière notre ego masculin. Mais nous établissons des comparaisons. Vous savez, une personne qui passe son temps à ne parler que de toi est une personne quelque part qui se sent menacée par toi et c'est une jalousie. Et vous savez, la jalousie, moi en tant que petit serviteur de Dieu, petit lecteur de la parole de Dieu, je me suis rendu compte d'une chose indéniable, c'est que la jalousie peut t'amener à critiquer une personne, peut t'amener à devenir prisonnière, plutôt que d'exprimer une admiration dévolue. Vous allez exprimer des critiques, vous allez chercher des points négatifs. Alors, deux, il existe deux grands piliers de la jalousie. Deux grands piliers de la jalousie c'est l'égoïsme et l'orgueil. <laughs> deux grands piliers de la jalousie l'égoïsme et l'orgueil. Vous savez, j'ai un aîné à moi dans la foi, je préfère, je peux même citer son nom le pasteur Jean-Pierre Ndiani. Ce sont nos aînés, nous les avons trouvés lorsque nous nous sommes convertis, eux étaient déjà des prédicateurs, pas nous. Il m'a toujours donné une parole, il dit, Francis, celui qui a achevé l'œuvre de Dieu n'existe pas. Il me dit, il y aura toujours de la place pour les autres. Et la Bible qui dit, s'il y en a un qui est élevé, il y en aura un autre qui sera élevé au-dessus de lui. J'ai dernièrement suivi le témoignage de mon frère, le pasteur Marcelo, qui était en train de parler de, de Ndikoumana, je crois. De Ndikoumana, qui est très connu, c'est un Burundais, un évangéliste. Comment lui a réuni 15 000 personnes dans un stade et dans le même stade, ce monsieur a réuni 150 000 personnes. Et j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça épatant. J'ai trouvé ça très bien. Mais vous voyez, des fois, la jalousie, elle ne naît pas en nous. Mais elle peut être provoquée par les autres. Oui. Parce que les personnes qui nous entourent peuvent des fois constituer des canaux de jalousie. Des personnes qui peuvent te dire, non, mais toi, tu ne peux pas dire ça, toi aussi tu es élevé. Non, toi, comment toi tu peux reconnaître quelqu'un d'autre publiquement Tu es en train de faire sa publicité. Des fois, je répète, les gens qui nous détruisent ou les gens qui injectent ce virus de jalousie en nous, Très souvent, ce sont les personnes qui nous entourent, qui nous ramènent des informations irritantes, qui établissent une comparaison. Et des fois, pour ne pas les perdre, qu'est-ce qu'on fait On les satisfait en adhérant à ce sentiment qu'ils sont en train de nous inoculer, tel un virus du VIH. <laughs> Vous voyez comment la jalousie est très subtile. Et des fois, quand ces personnes qui sont autour de nous nous parle d'autres serviteurs de Dieu. Vous êtes un patron d'entreprise, on vous parle d'autres entreprises, d'autres patrons d'entreprise avec pour objectif de vous montrer que vous vous ne valez rien et que l'autre est en train de réussir parce que vous n'êtes pas intelligent, parce que vous n'êtes pas performant. Et si vous n'êtes pas performant, c'est parce que l'autre est mieux que vous. Alors, ça touche votre ego, ça touche votre orgueil. Et des fois instinctivement, on a tendance à refouler ce qui nous est présenté comme sentiment négatif on est on a tendance à refouler cela de la mauvaise manière en exprimant une il doit être dans les fétiches et n'oubliez pas que généralement avec nous les chrétiens d'aujourd'hui tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer devient sorcellerie tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer si tu n'arrives pas à expliquer le, le succès de ton frère parce que à un moment tu as estimé que vous étiez au même niveau et un autre jour tu vois que le seigneur l'élève tiens tu commences à dire il a touché la magie nous étions pareils mais la bible dit dieu fait grâce à qui il veut le roi David a dit quelque chose de très important. Il a dit ceci Je reconnais une chose, c'est que Dieu réserve un jour pour son juste. Bien-aimé, chacun de nous a son jour. En français, on dit chacun de nous a son jour chez le taturier. Vous savez, le succès, c'est comme une plaque tournante. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est moi. Aujourd'hui, c'est moi, demain, je dois aussi savoir que ce sera l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend Attention à la jalousie. La jalousie peut vous amener à attribuer à l'autre des intentions qu'elle n'a pas. <laughs> vous savez, David n'avait pas demandé à être loin comme, entre, comme roi dans 1 Samuel 16. Il n'a pas demandé. Même son propre père l'aurait oublié. En fait, il n'en avait pas la prétention. Mais Saül s'est dit à partir du verset 6 de 1 Samuel 18. Il s'est dit, non, ce gars veut me remplacer, ce gars veut prendre ma place. Et ça, c'est moi qui pense, ce n'est pas la Bible qui le dit. Certainement qu'il y en avait autour de lui qui lui disaient, ah, roi, si tu ne fais pas attention, le petit, à l'allure où il est en train d'aller, ah, il risquera de te dépasser. En fait, la jalousie, Michael, peut être mise en nous par les autres. Des fois, ils peuvent établir un constat sur notre vie en comparaison avec les autres, et vous ne comprendrez pas que c'est un germe de jalousie. Vous savez, je me rappelle, nous étions encore très jeunes. Je me permets, avec leur permission, bien entendu, de citer le nom. Je ne crois pas que ça leur déplaira. Nous étions très jeunes. Nous étions le pasteur Marcelo, le pasteur, l'apôtre Mongali Jonathan, et moi. Tous les deux avaient des voitures, sauf moi. Et je me rappelle, je suis dans une réunion. Et le pasteur Marcelo arrive, on venait de lui offrir à l'époque une Jeep Cherokee de couleur noire. Et puis il me dit Ah, Ngawala, tu as vu ma Cherokee J'ai dit Oh, gloire à Dieu et tout. Alors, quelqu'un qui était là, et puis l'apôtre Mongali, on venait de lui offrir une Mercedes 190. Nous, les Belges, on dit 190. <laughs> et puis, il me montre ça. Alors, je me suis retrouvé un peu comme le seul dans la bande à ne pas avoir de voiture. Et quand il fallait qu'on aille à un endroit, tous trois, eh bien je me retrouvais soit en train de demander à l'un ou à l'autre de passer, me prendre. Mes frères, une chose était bizarre. Un de mes collaborateurs de l'époque est venu me dire, hm, tu ne trouves pas que tes amis ici doivent être des, 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 des voleurs, doivent être ceci. J'ai dit non, je célèbre Dieu pour ce qu'il a fait pour eux, parce que je sais qu'un jour, Dieu aussi le fera avec moi. C'est leur tour, mon tour aussi viendra. Et vous savez, une année après, on m'a offert la même Mercedes que l'apôtre Mongali. <laughs> c'est vrai, ce n'était pas en aussi bon état que la sienne. Mais j'ai accueilli ça avec beaucoup de faveur et d'amour. Et je me suis dit au fond de moi, c'est parce que j'ai célébré le succès des autres que Dieu s'est souvenu de moi. Et ici, j'aimerais le dire déjà. Une manière de lutter contre la jalousie, c'est de célébrer la réussite des autres c'est de célébrer le succès des autres. Vous savez, ce n'est pas de toujours sombrer dans l'hypocrisie d'écrire sur Facebook comme les Pharisiens pour que les gens voient que vous avez apprécié le travail de votre frère, que vous l'aviez, euh, euh, que vous adulé. Non, faites-le quand ça vient du cœur. Écrivez lui-même en privé. Non, cher ami, cher frère, je suis content de ce que tu es devenu. Je suis content de ce que tu es, parce que avec la vie, on ne sait jamais ce que les autres deviendront demain. Alors, la jalousie tue la personne qui en est victime, tue la personne qui la porte. <laughs> Je répète, la jalousie tue la personne qui en est victime ou qui en est la cible, mais la jalousie tue aussi la personne qui a réussi à entraîner d'autres dans la prison par des fausses accusations, par des, des même des, des parodies de justice, par des diffamations. La jalousie, lorsqu'elle vous vise, elle peut vous tuer. La jalousie, le meurtre peut naître de quoi De la jalousie. Vous savez, dans Nombre 11, versets 26 à 29. Nombre 11, versets 26 à 29. On parle d'une histoire que quelques enfants de Dieu connaissent très bien. C'est l'histoire de Moïse. La Bible dit que pendant que Moïse était absent, il y a eu deux personnes qui ont commencé à prophétiser. C'était Eldad et Medad. Alors, les jeunes gens... Qui étaient avec Moïse, donc les 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 Hans, les hardis de Moïse, sont venus dire à Moïse, ils disent Moïse, toi tu es ici, mais dans le camp là-bas il y a d'autres personnes qui sont devenues des prophètes. Hein et il y a Eldad et Medad qui prophétisent. Viens, viens, viens vite, viens vite. Arrête-les, arrête-les. Oh Dieu, j'ai aimé la sagesse de Moïse. Moïse dira, si ça vient de Dieu, que ça se poursuive. Du reste, ma prière aurait été que tout Israël ne soit composé que des, des prophètes. Or, n'oubliez pas que c'est Israël qui avait dit à Moïse, c'est mieux que toi Dieu te parle et que toi tu viennes nous dire ce que Dieu t'a dit, que tu nous le rapportes, parce que nous ne supportons pas là la présence de Dieu. Et Moïse a agi avec sagesse. Si c'est de Dieu, pourquoi pas Si c'est de Dieu, laissez-les. Amen, Amen. La jalousie des femmes comme Jézabel était remplies de jalousie. Était remplies de jalousie. Attention à la jalousie. Amen. Ne laissons jamais la jalousie être locataire dans nos cœurs. Et une jalousie qui est mal gérée peut, peut vous amener à devenir insensible et à devenir un monstre. Or, c'est un sentiment qui a l'air humain. Mais qui pourrait être utilisé par des esprits impurs contre vous, qui pourrait être utilisé par des démons pour vous détruire. Un jour, quand Dieu veut vous élever, les mêmes démons peuvent dire, Oh Seigneur, toi tu veux élever Rudy. Oh, un gars jaloux des autres, si tu l'élèves, il va écraser. Il se prendra, comme on dit dans une phrase mythologique, il se prendra pour celui qui est sorti des cuisses de Jupiter. Amen, Amen. Mais heureusement. Pour nous, que quand Dieu sonde nos cœurs, il voit la vérité de nos, de nos cœurs. Alors faisons attention que quand Dieu sondera nos cœurs, qu'il n'y trouve pas la jalousie. La jalousie est un sentiment. Autant il est difficile à porter, autant il est difficile à subir. Regardez dans Genèse 37. Dans Genèse 37, comment est-ce que les propres frères de Joseph l'ont vendu? À cause de la jalousie. Ils l'ont vendu. C'était leur frère. Et vraisemblablement le plus intelligent et le plus valeureux. Mais ils l'ont vendu à cause de la jalousie. Lorsque Joseph les rejoint, ils disent Tiens, regardez ce faiseur de rêve. Regardons ce faiseur de rêve. Ils ont parlé de lui avec mépris. Ils ont parlé de lui avec méchanceté. À cause de quoi De la jalousie. Amen, amen. La jalousie, elle est très, 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 très mauvaise. Est-ce que vous savez que même les frères de David ont manifesté de la jalousie à son égard Dans 1 Samuel 17, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Lorsque David arrive dans le camp des Philistins, dans le camp, le champ de bataille, il est venu apporter à ses frères de la nourriture. Et il a eu le malheur juste de poser la question. Qui est cet homme qui insulte l'armée d'Israël? Et son frère qui lui parle avec un ton assez méchant, il dit tout de suite Ouais, on connaît ta malice. C'est pour venir le voir le combat que tu es ici. Remarquez, David, connaissant son frère, s'est tourné vers un autre. Donc son frère ne lui a même pas donné la réponse qu'il cherchait par jalousie. Parce que David était déjà célèbre. Qu'est-ce qui me montre que David était célèbre Dans 1 Samuel 16, la Bible dit, lorsque les démons dérangeaient Saül, ceux de la cour de Saül lui ont dit, nous connaissons un homme, il s'appelle David. C'est un garçon vigoureux, Dieu est avec lui. Donc, si les autres savaient que Dieu était avec David, a fortiori ses frères. Donc, il y avait déjà un germe de jalousie. Attention à la jalousie. Je prie ce soir au nom de Jésus que la jalousie ne soit pas locataire de nos vies. Et si elle est devenue locataire, qu'elle libère nos cœurs ce soir au nom de Jésus. La jalousie peut devenir une teigne. Elle peut agir comme une lèpre intérieure. Nous la refusons au nom de Jésus. Nous acclamons Dieu pour ceux qui ont réussi. Nous bénissons Dieu pour ceux qui font plus que nous. Mais n'oublions pas que quand Dieu nous jugera, quand il faudra que Dieu rende à chacun de nous d'après ses œuvres, l'éternel jugera chacun de nous d'après la vision qu'il lui a donnée. L'éternel jugera chacun de nous d'après la grâce qu'il lui a donnée. Il y a des gens qui sont nés pour avoir une église de 100 personnes. Il y a des gens qui sont nés pour n'être patron que d'une personne. Et celui qui est né pour être pasteur d'une église de 100 personnes, s'il a fait 90 personnes, il a échoué. Mais pour que celui qui est né pour avoir une église d'un million de personnes réussisse, il doit avoir les un million de personnes. Donc, vous voyez que sur la balance de Dieu, Dieu utilise une balance sur chacun de nous en fonction de la vision qu'il nous a donnée, en fonction de la grâce qu'il nous a faite. Attention à la jalousie. Comment combattre la jalousie Première chose, je vais donner sept éléments. Vous me connaissez, j'aime bien, mais sept éléments. <laughs> sept éléments pour combattre la jalousie. La première des choses, c'est un. Sophonie, des fois, nous devons nous regarder, nous devons jeter sur nous-mêmes un regard d'étranger. Donc, tu dois te regarder comme si tu te regardais avec l'œil et tu seras surpris de te rendre compte combien tu as repéré. Quels sont les. Et pas toi. Hum? <laughs> Comment tu réagis Reste à la porte des autres et non à ta porte. Comment tu réagis le premier homme jaloux, c'était qui Caïn. Mais le premier être jaloux, c'était le diable. Donc la jalousie, les autres réussissent. Remarquez, la jalousie de Caïn, elle est très expressive. Caïn est jaloux du fait que Dieu ait agréé l'offrande de son frère. <laughs> Pendant qu'il sait que Dieu est incorruptible, mais il dit Dieu lui dit, va jusqu'à lui dire, Caïn. Le mal campe devant ta porte, mais domine sur lui. C'était de la responsabilité de Caïn que de dominer sur. Passer. Il a tué son. Il l'a tué. Comment vous vous sentez lorsque les autres réussissent Quand quelqu'un achète une nouvelle voiture que toi tu n'as pas. Et si Et pas toi. Un ami à moi qui me rapporté cette histoire, il dit qu'il aurait rencontré un. Pourquoi Parce que simplement les habits allait mieux à sa copine que elle. Elle lui a admis Sophonie de tenter lorsque les autres réussissent. Imaginez-vous, elle a tué sa meilleure amie pour qu'elle guérisse. Je connaissais l'antidote. J'étais chaque jour à l'hôpital. Je la lavais quand elle faisait ses besoins sur elle. Je montrais et témoignais de la compassion. Mais elle se savait être la responsable de ce à quoi toute la famille assistait. Lui allait mieux qu'à moi. Pourquoi est-ce que les gens disaient que elle et moi, quand on s'habille, les vêtements lui vont bien. Imaginez. Et elle a tué sa copine. Il s'est passé quelque chose dans un pays d'Afrique. Une fille d'Europe Europe sont supérieures à ceux qui restaient dans ce pays d'Afrique. C'est un pays d'Afrique centrale. 256 personnes. Juste parce que on a une chose pour combattre la jalousie. C'est d'apprendre à vanter les mérites duplicité. Ne le faites pas par hypocrisie, mais faites-le sincèrement. Applaudissez les autres. Acclamer n'est pas une gloire. C'est-à-dire, la vraie gloire, c'est de célébrer les autres. La vraie gloire, c'est de plébisciter les autres. Acclamez-les. Même quand votre cœur est en train de, de se froisser, de se chiffonner, acclamez les autres. Entre. Ce que vous faites à l'extérieur et les émotions intérieures. Moi, j'ai vu des gens pleurer parce qu'ils étaient en train de combattre leur jalousie en applaudissant, en acclamant les autres. Si vous êtes capable de plébisciter ceux qui réussissent, de plébisciter ceux qui font mieux que vous, ceux qui dirigent leurs entreprises mieux que vous, si vous êtes capable de les approcher pour apprendre d'eux, non pas dans le de travailler en vous-même, vous pète. Vous aurez travaillé en vous une dimension d'assurance et de confiance en soi. Amen, amen. Troisième chose qu'il faut faire pour combattre la jalousie, tant qu'elle ne cause des dégâts. On a dit à Caïn, domine sur ce mauvais sentiment. Donc arrête-le, fuis même s'il faut. Dégage des lieux, va-t'en. Mais si tu sens que ta jalousie, est trop grande, mais éloigne-toi pour demander au Seigneur de te faire grâce. Quatrième chose, pour lutter contre la jalousie. Oh, rabat Shanta Quatrième chose pour dominer la jalousie. Quand vous avez tout fait et que ça n'arrive pas à sortir de vous, confessez-le à quelqu'un. C'est comme si je suis jaloux. Ma femme était d'abord étonnée. Parce que nous, les hommes, avec l'ego, on a toujours cette pensée de supériorité. Mais j'ai confessé. Elle m'a compris. Apprenez à confesser. La Bible dit dans Jacques 5, verset 16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Bien sûr, avec le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, bien-aimés, avec le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ne nous leurrons pas. Quand il faut confesser, il faut aussi choisir la bonne personne. Auprès de qui confesser? Pour ne pas que vous soyez éteints, pour ne pas que cela soit rapporté comme étant un sentiment que vous vantez. Quelqu'un m'a donné un amen. Donc, confessez les uns aux autres. Que Dieu nous accorde dans la vie des personnes qui nous aiment, des personnes auprès desquelles on peut confesser, des personnes auprès desquelles on peut demander le soutien pour leur dire, soutiens-moi, frère, soutiens-moi, ma soeur. Je sens que j'ai de la jalousie dans mon cœur. Soutiens-moi, aide-moi à m'en sortir. Des fois, c'est important. Parce que même un fils spirituel peut être jaloux de son Père spirituel. Et des fois, dans ce cas-là, il faut venir voir le Père spirituel pour lui dire, papa, vraiment prie pour moi. Je sens que je deviens jaloux de toi. Je sens que je me compare trop à toi. Amen. Un père peut aussi être jaloux de son fils parce qu'il réussit plus que lui. Bien aimé, apprenons à acclamer les autres. Apprenons à confesser nos péchés les uns les autres. À demander le soutien. Cinquième clé pour bien lutter contre la jalousie. Cinquième clé pour bien lutter contre la jalousie. Bien aimé, si c'est trop, cherchez la délivrance. Si le premier jaloux, c'est le diable. Ça veut dire simplement que une jalousie excessive, c'est un piège du diable. C'est une arme que le diable utilise contre nous. Cherchez la délivrance. Vous savez, des fois, les gens ont, ont peur de dire "Prie pour moi. J'ai un excès de jalousie. Quand je suis jaloux, je ne me contrôle pas." Vous savez, il y a quelques jours ici, je confesse, il y a deux, trois semaines. J'étais resté seul dans ma chambre en train de prier. Le, si tu as mal parlé de telle personne, c'est à cause de la jalousie. Donc, c'est Dieu qui m'a révélé que ce sentiment-là que j'avais éprouvé, c'était de la jalousie. J'ai pleuré. J'ai appelé la personne avec qui j'avais mal parlé de l'autre. Je lui ai dit Je te demande pardon. Ce que je t'ai dit là, c'est par jalousie que je l'ai fait. Pardonne-moi, c'est par jalousie. Prie pour moi, soutiens-moi. Et si ça continue, que Dieu m'en délivre. Bien-aimé, personne d'entre nous n'est parfait. Ne jouons pas au parfait. Ne jouons pas au, au parfait. Des fois, il faut chercher la délivrance. Cherche la délivrance, cherche à ce qu'on prie pour toi. Cherche à ce qu'une main extérieure t'apporte un soutien. Puisque la Bible dit de toute façon que le tigre ne peut ôter ses tâches de lui-même. Il lui faut l'apport d'une main est extérieure. Amen. Quantième clé. Sixième clé. Pour bien lutter contre la jalousie, je répète, pour bien lutter contre la jalousie, essayez d'apprendre des autres comment ils ont fait pour réussir. Avant, c'était plébiscite. Mais ici, essayez d'apprendre d'eux comment ils ont fait pour réussir. Quelquefois, il faut même leur dire, tu es mon ami. Mais j'aimerais que tu me coaches comment tu fais pour avoir des extensions et comment tu réussis. Moi, je n'arrive pas. Comment tu fais pour telle ou telle autre chose Moi, je n'arrive pas. Aide-moi. Il n'y a pas de péché à chercher le coaching de quelqu'un. Vous savez, des fois, nous nous disons, ah, si moi, je vais le voir pour lui demander de me coacher ou m'expliquer comment il a réussi, qu'est-ce qu'il va dire aux autres Qu'est-ce qu'il dira de moi Bien-aimé. Peu importe ce qu'il dira, ça sera son péché. Ça ne sera pas ton péché. Amen. Je répète, ça sera son péché. Ça ne sera pas ton, ton péché. Apprends à applaudir, mais aussi approche-les pour leur demander de t'aider là où tu es en train d'échouer. Plutôt que de rester dans, une, dans un orgueil maladif, aide, demande de l'aide. Demande à ce que les gens. Puissent t'aider. Demande à ce que les gens puissent t'apporter leur aide. Tu ne perds rien. Plutôt que de détruire la prédication de l'autre, le jour où on aura cette grandeur, tu viens, tu dis à ton frère Mon frère, tu as prêché telle chose, mais moi je ne crois pas tellement à ça. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu en es arrivé à cette conclusion Parce que des fois, même en tant que serviteur de Dieu, nous devons apprendre à avoir entre nous des échanges intelligents. Entre nous, on doit apprendre à avoir des échanges intellectuels. On doit apprendre à se dire, ah, ce que tu as dit là, moi je ne connaissais pas. Est-ce que tu as fait? Si tu as fait cette déduction, tu es parti de quoi? Amen. Tu es par avoir tout connu, tout compris. Il est devenu Dieu. Mais si toi tu sais que tu n'es qu'un être humain, apprends à demander l'aide des autres. Apprends à dire aux autres, aidez-moi. Septième et dernière chose. Quand tu veux lutter contre la jalousie, pousse les biens lutter contre la jalousie, pousser une fois dans une église. Au bureau, le pasteur m'a dit une vérité qui m'a fait mal. Il m'a dit, prophète, tel que tu me vois ici, je n'ai pas de voiture, je n'ai rien. Et avec ma femme, ça crée beaucoup de problèmes. De demander à l'église dont il est pasteur de faire un cadeau à leur pasteur. Moi-même, j'ai donné l'argent. J'ai donné tout ce que j'avais. Et les membres ont contribué. Quand nous sommes entrés dans le bureau du pasteur, le pasteur a enlevé quelque chose. Il m'a dit, ah, mon cher, vraiment, tu as fait un travail. On a eu, genre, je donne juste un chiffre comme ça. On a eu 20 000 euros. Prends même 7 000 euros pour ta prestation. Je lui ai dit, non, mon cher ami. Je l'ai fait pour toi. Je ne peux pas tenir un discours sur la chair et un autre quand on est au bureau. Je l'ai fait pour toi. Sinon, je ne peux pas, moi, donner de l'argent publiquement pendant que je sais que tu vas me rendre ça en secret. Je lui ai dit comme ça, que, vous savez, il a versé des larmes, il m'a dit, mon cher, c'est la première fois qu'un homme de Dieu fasse ça pour moi. Et à entendre ce que les gens disent de toi, je ne pouvais pas imaginer que toi aussi, tu pouvais faire ça. Frère, enfin, j'aimerais ajouter la huitième chose. Demandez pardon aux personnes que vous avez. Je montre de grandeur quand vous le pouvez. Dites, pardon mon frère, pardon ma soeur, pardonne-moi. Vous savez, quand nous demandons pardon aux autres, le but n'est pas pour nous forcément qu'ils nous pardonnent. Mais le but pour nous, c'est que nous puissions nous libérer d'un emprisonnement. Parce que le manque de pardon ou le manque de demande du pardon, frère, pardonne-moi. Je t'avais soin. Je t'avais jalousé. Pardonne-moi. En le faisant, vous allez tuer l'absence, le manque de caractère de propre passé. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu puisse être sur vous, que le Seigneur en... De pierre, que la grâce de Dieu puisse nous soutenir, que la main de Dieu puisse nous faire du bien, que la puissance de Dieu Puisse nous relever que l'éternel nous donne d'être des personnes intérieurement et extérieurement disciplinées que l'éternel aide nous éternel peu importe le domaine de notre évolution le domaine d'exercice de notre profession aide nous éternel dieu à être des bonnes personnes que nous puissions promouvoir grâce à toi le meilleur côté de nous-mêmes nous voulons cesser d'être jaloux nous voulons ne plus être jaloux et quand la jalousie viendra, Père, qu'elle ne puisse pas produire racine en nous. Qu'elle ne puisse pas produire racine en nous. Je prie ainsi avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Jalousie, sors de mon cœur. Jalousie, sors du cœur de ma soeur. Jalousie, sors de mon cœur. Du cœur de mon frère, sors. Du cœur de ma soeur, sors. Je ne veux pas de ta garantie locative. Je ne veux pas de toi chez moi jalousie. Je ne veux pas que tu habites en moi. Je ne veux pas, j'ai ma vie, l'autre a sa vie. Même si nous servons le même Dieu, Dieu ne nous bénira pas le même jour. Au nom de Jésus, je parle à moi-même. Francis, ne sois pas jaloux. Je te parle à toi. Patrick, ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Accepte ce que tu es. Accepte ce que tu as. Ton tour aussi viendra. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu puisse être avec toi. Merci à vous qui avez envoyé des cœurs, des cadeaux ou des diamants, comme on l'appelle sur TikTok. Merci à vous qui nous avez suivis sur YouTube. Que la main de Dieu puisse être avec vous. Et que l'Éternel nous aide à nous améliorer, même en y allant crescendo, mais que nous puissions nous améliorer. Ce soir, je vais dormir avec une pensée et un sentiment d'œuvre accomplie. Que Dieu vous bénisse. Demain, je parlerai sur la colère et la haine. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Paix et grâce chez vous. Paix et grâce chez vous. Soyez bénis. Amen.